Yo yo yo, c'est la Tumeuse 3 et aujourd'hui c'est le Bayern Challenge. L'algorithme est chargé. Yo la Ultra Family, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est le Barrio Challenge. Mais Jamy, mais c'est quoi Barrio? Barrio, c'est le nom de la nouvelle collection de Decathlon qui elle est spécialement dédiée au street soccer. Et franchement c'est un énorme plaisir pour nous de pouvoir collaborer avec Decathlon. Je pense que Decathlon vous connaissez tous, vous nous suivez depuis longtemps. On a pu collaborer avec un tas de marques avant, mais c'est la première fois qu'on a la possibilité de créer nous-mêmes nos propres produits, un peu comme hein, on va dire une espèce de marque de designer hein. On a designé des sables, des ballons, tout plein de trucs. On espère que ça va énormément vous plaire. Donc allez choper vos paires comme ça. Vous pouvez vous dire, cette paire là c'est la Team S3 qui l'a faite. 2 ans de travail dans l'ombre et on est fiers de vous présenter cette dinguerie. Ok la famille, cette paire est disponible en 2 coloris, en noir, blanc et rouge. Et bien sûr, une petite surprise, une paire en édition limitée. Et en plus, vous avez un NFT offert. Mais Jamy, c'est quoi un NFT? Eh vas-y, vous allez voir un tuto YouTube, on n'a pas le temps, on va lancer le défi. Allez les gars, vous êtes prêts là? Ouais, allez. Bon, la famille, on va commencer la vidéo. Premier essai, vous allez voir, j'ai même pas besoin de parler, regardez. Hop, tac, et ça passe, et ça passe. Oh, le gars. Voilà, premier essai. C'est la mission, les gars. Voilà, ça passe une première essai, ça passe. C'est facile. Il va rater, il va dégagement. Là, super. L'attaquant, il est parti. Non, parce que tu vois, si je marque les 3, après ils vont me frapper. Tu t'habitues un peu, non? Faut comme ça, il faut bien calculer. Je calcule bien, je descends. Bien calculer. Tu peux ouvrir tes jambes? S'il te plaît? Allez, souffle. Oh, c'est fiat. Oh, c'est pas Jimmy, hein. Va, tu tiens pas c'est pas Jimmy, hein. Il reste les essais. Eh, mais pas ça. Non. Mais pas ça. Les gars, c'est pas filmé encore. C'est pas filmé. C'est pas filmé. C'est le premier. C'est parti. The Striker is back. Hey, je vous en ai. The Striker is more fucking back, les gars. Avec cette magnifique paire Decathlon, c'est là. Tu vois, faut taper avec cette partie du pied pour que ça rentre directement. C'est bon, Jimmy. C'est bon, Ali. Et on a essayé de la mettre de manière à ce que c'est le rebond Vinicius en face qui tombe dedans. Il y avait un appel de Mohamed Salah. Deuxième essai. Bien vu, Iniesta. Attention. Et Pirlo, allez. Hop, Pirlo. Bah oui, bah oui. De son accueil, back. Ça veut dire, la balle, elle arrive, mini rebond, frappe, coup de pied, ça passe. Train entre les jambes, tu vois un peu comme la passe de Paul Pogba à Mbappé en Coupe du Monde. Pogba. Ah, regardez. Hein. Oula, Bien. The Striker, les gars, on l'a pas volé ce type. Non. On l'a pas volé. Les jeux. Bravo. Bien joué, Trafi. Ah, j'ai de la chance, c'est Trafi. Je crois qu'il a les plus grandes jambes que je pouvais espérer. regarde ces jambes. Bien. Ah, la réaction, c'est quoi? Il n'y a aucune réaction, ouais, mais... Non, mais parce que nous, on aime bien passer. Bravo. Toi, chercher le ballon. C'est comme au basket. Tu vois, Steph Curry, mais que des switch. Ah non. Ah, il a pas touché. On va toucher. Quoi? Ouais, là à l'extérieur. C'était hein. Déplorable. Tout est à l'extérieur là. À l'extérieur là. Du terrain. Tout était extérieur. Bon, les gars, on applaudit Andrea, s'il vous plaît. Ah, merci les gars, ça, on sent bien joué. Oui. Et ouais, Moss. Oui, c'est moi. Oui, c'est lui. C'est lui. Les gars, c'est lui. Hein. C'est lui, l'algorithme, en chair, Ernest. L'algorithme. Non. On sent la confiance, bien joué Jimmy. L'oreille de tout lui. Hey. Ah, moi je crois le but. Oh, attendez les gars, qu'est-ce qu'il nous fait? Il jongle. Oh là là. Bien la perte. Plus un. Et.
Ouais, mais c'est une dinguerie, comment il est fort. Il y a un autre qui l'a fait, c'est comment il fait de la chance, peut-être, tu vas refaire. Non, tu vas pas refaire. Pas mal. Non. T'as un pont perdu. Mais non. Oh, c'est dommage. On a pour la performance quand même, les gars. Là. Combien? 1 sur 1. Pourquoi je suis à bouler? Caca. Fin du premier défi. Et on peut officiellement applaudir Rafalia. Yeah, franchement. Magnifique. Encore un peu plus fort, j'entends pas assez les applaudissements. C'était de la chance ou pas? C'était pas de la chance. Donc alors, deux fois tu dis que c'est pas de la chance. S de la chance. Vas-y, maintenant, regarde, ça coupe pas. Vas-y. Non, ai-je vraiment besoin de prouver quoi que ce soit, les gars? On passe tout de suite au défi numéro 2, let's go. Ok, la famille, on a trouvé des challengers, un contre un petit pont. On va voir, celui qui met le plus beau petit pont aura gagné entre nous. Donc vas-y, dos à dos les gars, comme les vrais. 3, 2, 1, let's go. Elle ouvre la balle. Très fluide, il s'est bien défendu quand même. Mais voilà, on peut le féliciter quand même. Johan versus Andreas, vous connaissez les règles. Le premier qui met un petit peu à l'autre, il a gagné. Les gars, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Allez, Yosko, allez. Yosko, il y a une petite semaine. Hypnotise. D'accord. Qui est-il vraiment, les gars? Le niveau monte. Bien joué, mon gars. Le niveau est très très chaud. Soufiane et Andreas, là, ils ont mis la barre haute. Encore une fois, je rappelle, c'est en commentaire que vous devez dire qui a mis le plus beau pana. Et le prochain adversaire, c'est Trafic. 3, 2, 1. Oh, il est chaud, lui. Là. Attention, tu l'as énervé. Oh. C'est le moment. Vas-y. Là, t'es dans sa tête. Magnifique. Décidez en commentaire, la famille, mais on veut des arguments, des vrais arguments. Pourquoi vous choisissez ce pana et pas un autre? Le dernier participant, JMK ici présent. C'est mon dernier participant, JMK ici. 2, 1. Non, c'est je rigole. Elle est là. Oh, gros, tu es trop là. Attention, JMK. Let's go. Ah, bien. Il arrive. C'est bien joué. Votez, sinon je vous frappe. 3. 2, 1, let's go. On va faire votre promo là. Votez pour moi parce que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu sur YouTube. D'ailleurs, son album sort le 10 mars. Voilà, encore une fois, vous votez en commentaire pour nous dire qui a remporté ce défi Pana, parce que sachez que c'est sûrement le défi qui va départager le vainqueur de cette vidéo qui sera annoncé dans la vidéo d'après. On passe au troisième et dernier défi. C'est parti, let's go. Transition. C'est parti, Soufiane. Ça arrive même au meilleur, malheureusement. Allez, récupère. Voilà. Attention.
Non, ouais, c'est ton moment. C'est ton moment. Tu as perdu. Je croyais qu'elle était dedans. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et bien évidemment, on vous remercie de l'avoir visionné. Déjà, merci. Vous connaissez, hein, vous mettez des likes et vous commentez cette fucking vidéo, les gars. Qui a gagné cette vidéo? Moi. Il n'y a pas de gagnant. Par contre, il y a un perdant. Mais il y a un perdant. Attendez, il n'y a pas vraiment de perdant, mais il y a des gens qui ont raté quelque chose. Ah, c'est vrai, genre Andreas. Ouais, genre Andreas. Genre non. Non, il a pas testé en réalité. J'avoue que moi j'ai tout raté. Le gage, on verra en fonction des commentaires du deuxième défi. Voilà, comme dites-nous. Et comme ça, en commentaire le gage sur la prochaine vidéo pour Décathlon. Voilà, le bien gage sûr. De votre choix et on le fera. D'accord. On le fera. J'assumerai. Ouais, vraiment. J'assume. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Mettez en commentaire. D'ici là. La recette n'a pas changé, mesdames et messieurs. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Mais surtout, abonnez-vous.